un poquito calurosa, un clima de fiesta que se vive para ver este compromiso. Como siempre, Jorge. Uno, dos. Frío, juego de malabar, parecía que estaba ahí en la playa jugando, es una actividad lúdica. Y vean ahí donde está Jorge. Atlante, Campos de todos modos va a enfrentar a Herrera. Campos con la jugada personal. ¡Gol de Campos! ¡Un gran gol de Jorge Campos! ¡En el paro, Campos! Y otra vez Arteaga. Ahí está, aprovechando su buen manejo de pelota, se prepara, intenta otra vez, pero el muchacho enseña que... Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vidéo avec un nouvel overlay, un nouvel habillage. Hein, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, les vieux de la vieille... C'était le jeu avec une petite caméra en haut à gauche. Là, j'ai repris l'overlay de la Tsubasa Cup Paris. Très belle event qui s'est très bien passé malgré l'énorme retard qu'on a eu. Ça, j'en ferai une vidéo débriefing de l'event un petit peu plus tard pour détailler tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est un peu moins bien passé. Mais après, globalement, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, beaucoup de news. Beaucoup de news sur le jeu. Donc... Maintenant, c'est le futur Dreamfest, c'est Espadas. J'espérais Salinas, le gardien brésilien. Malheureusement, c'est Espadas. La carte a l'air d'être très belle. Il sortira mardi à 9h pendant une semaine. C'est un truc de ouf. D'habitude, les Dreamfest durent 3 jours. Là, carrément, c'est une semaine. Donc là, c'est n'importe quoi. Donc il y a la qualification pour le Dream Championship après Dubaï, maintenant c'est Tokyo. Bon, pour ceux qui sont sur place et qui jouent sur la Jap, vous pouvez y aller, inscrivez-vous, vous pouvez gagner votre place pour la finale au mois de septembre. Et sur Paris c'est au mois de juillet, donc celui qui gagne le tournoi de Paris sera invité par club avec billet d'avion et hôtel gratos pendant je crois 3 jours, donc c'est bien, c'est parfait, c'est bien. Nouvelle event du potentiel, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, désolé. On a trouvé un petit peu de temps, donc là on va faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes, on va pas rester trop longtemps. Donc il y avait du potentiel avec les connaissances, compétences de Koji Nakano, c'est un des mecs de... un des supporters avec Sanae. Et ça va vous permettre de débloquer les compétences de l'ami Akai. Que j'ai en plus le Akai World Youth bleu qui donne le tacle dangereux, ça c'est sympa, donc toujours bon à prendre, surtout que les éveils du potentiel a vraiment ressuscité comme il s'appelle Müller. C'est avant c'était une passoire, maintenant c'est devenu un mur, le mur de Berlin quoi. On l'a vu à la Tsubasa Cup avec l'ami Monda qui est arrivé en finale, il avait le Müller rouge, le premier, il l'a éveillé complètement et on a vu l'efficacité du bonhomme. Donc l'event un poids, pardon. Donc toujours sur l'Art World Youth. Donc ça vous permet d'avoir le ticket SSR garanti à 150 000 points. Là je suis actuellement à 60 000 points. Donc je suis à un tiers du chemin. Ça vous permet d'avoir aussi un Espadas bleu qui va vous donner un punch A. Donc à fermer à 80, vu que le Espadas Dreamfest arrive mardi. Il y a aussi un Espadas attaquant vert. Donc si vous êtes bien classé, ben vous allez pouvoir repartir avec un attaquant vert qui a l'air peut-être pas mal. La période de boost que je vous invite à mettre de côté en favori pour farmer pendant les périodes de boost. Comme ça vous gagnez du temps et commencez le temps, c'est de l'argent. Tac. Donc il y aura aussi une... comment dire, une formation qui va vous donner 4 défenseurs, 3 milieux défensifs, 1 offensif, 2 attaquants, qui va vous donner 10% en physique pour tous les joueurs mondial espoir. Donc je pense que les prochains joueurs qui vont arriver, les prochains portails, vont de l'arc World Youth. Voilà, donc ça y est, on est rentré dans une sorte de méta World Youth, là, en termes de méta d'un arc spécial. Voilà, avant on avait les couleurs. On avait les régions du monde comme Europe, Asiatique. Là maintenant on a vraiment l'arc World Youth qui est vraiment
centrer dessus. Comme on sait, le scénario, on a la première partie jusqu'au match de l'Uruguay. Donc on a les deux premiers matchs du Japon lors de World Youth. Donc les prochains, peut-être qu'il y aura trois parties. Je pense qu'il y aura peut-être la partie avec l'Italie, un dernier match de poule. Et on aura, si je dis pas de bêtises, la Suède de Levin. Ensuite, on aura la demi-finale contre la Hollande qui n'a pas été dessinée par Takahashi dans le manga. Et bien évidemment, la finale contre le Brésil. On va aussi avoir des tickets SR+, spécial, portail, je sais pas quoi. Donc j'ai déjà tiré, je crois j'en ai reçu 3. J'en ai tiré 3, j'ai rien eu, comme d'habitude. Hein, voilà. Les canettes 50% et 100% à vraiment utiliser pendant la période de boost. Ça va vous donner un surboost, donc ça peut être pas mal. Tout est libre aujourd'hui, enfin pendant jusqu'au 6 mai. Donc tous les events, entraîneurs, carnets, tout est ouvert, c'est open bar. C'est open bar, tu peux y aller. Aussi le jeu partagé complètement libre pendant jusqu'au 6 mai, donc farmez les gars. Farmez jusqu'au 6 mai, jusqu'à la fin du Dreamfest. Et probabilité d'avoir des assets potentiels x2. Et aussi pour entraîner vos joueurs, vous avez un boost aussi pendant 9 jours. Donc si vous avez des joueurs à entraîner, c'est maintenant. Faites-vous plaisir. Hop, on va revenir. Malheureusement, on n'a pas de. Si vous bien. Ah. Malheureusement, ouais, j'ai pas l'habitude avec de faire la vidéo sur Nox. Malheureusement, on n'a pas les. Comment dire. Le détail de Espadas. On n'a même pas les notes, on n'a rien du tout, on a juste une belle bannière avec un Espadas avec un maillot noir. D'après le manga, je crois que quand il se mettait en maillot noir, il était en mode défenseur, je sais pas quoi. Et quand il mettait le maillot blanc, c'était un attaquant. J'ai vu ça sur un site internet tout à l'heure. J'ai pas envie de dire trop de bêtises. Vous avez des bonus. J'ai mis la photo sur Twitter, donc si tu me suis pas sur Twitter, je t'invite à me suivre. J'ai mis le calendrier des bonus journaliers avec les frères Tachibana. Ensuite, on a le mini Dreamfest. Donc celui-là ne m'intéresse pas du tout parce que j'ai déjà Naturezza et j'ai déjà Diaz. Donc risquer mes Dream Ball pour Matsuyama, non merci. Par contre, la deuxième série qui sortira le 28, donc 28, on est quoi, dimanche, Rivaol, Levin et Pierre. J'ai aucun de ces trois Dreamfest, donc voilà. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Si tu cherches un gardien rouge Dreamfest, c'est sur lui qu'il faut tout miser. Le Espadas qui va sûrement être un double poste, donc ça va être la première fois qu'on va avoir un. D'ailleurs, son maillot magnifique, noir comme ça, enfin, c'est un gris avec du noir, magnifique. J'aime bien ces deux couleurs qui se marient bien, qui tient le ballon avec ses mains. Donc, déjà, c'est sûr que c'est un gardien. Après, si on peut mettre gardien à la première mi-temps et le changer, le mettre en attaquant en deuxième mi-temps et faire entrer un autre gardien à sa place. C'est possible, quand on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui ont plusieurs postes en même temps, il y a même des joueurs qui ont trois postes, donc gardien c'est possible. Moi je pense que c'est possible de le faire, ça doit pas être très compliqué pour l'équipe de club de nous pondre cette feature. Donc voilà, donc on sait pas quel, mais je pense qu'il va être énorme. Je pense que de toute façon à chaque Dreamfest, les joueurs sont de plus en plus forts. Quand on voit le dernier Ishizaki vers World Youth, il est complètement dingue, donc c'est comme ça. Plus tu montes dans les Dreamfest et plus les joueurs sont de plus en plus puissants. C'est logique. Donc il y a aussi des promotions Dream Ball de Essai. Donc Essai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ère du Japon qui vient de se terminer. Et là on est passé sur une nouvelle ère, je sais plus c'est quoi le nom. Voilà, ils disent Essai désigne le nom de l'ère en vigueur au Japon depuis 1989. Il est prévu celui-ci de changer à partir du 1er mai 2019 suite à l'introduction d'un nouvel empereur. Donc comme il y a un nouvel empereur, il y a une nouvelle ère. Mais j'ai oublié le nom. Ils l'ont mis sur Twitter. Il y a un ami sur Tokyo qui a mis ça. Donc je vous laisse regarder tranquillement tout ça. Donc les Dream Ball comme d'habitude. Hein, je crois que quand tu payes 1€, tu en as 5 au lieu de 1. À vous de voir.
On a les Golden Week. Donc Golden Week, pour ceux qui ne savent pas, c'est la semaine de... c'est 10 jours de repos au Japon. Donc c'est un peu le mois de mai en France, avec le 1er, le 8 et le 30, avec les ponts et tout. Donc plus personne ne travaille, c'est incroyable. Le mois de mai, c'est le mois des fainéants. À tes souhaits, ma femme. Hop. Donc, tous les jours, vous allez avoir un ticket SR+. Donc ça, c'est déjà sympa. SR, ça peut servir pour farmer des SPA. Donc voilà. Donc ça c'est sympa, ça peut être sympa. Moi j'ai rien eu, j'ai eu le Victorino qui donne la passe puissante A. D'ailleurs, si vous voulez farmer la frappe puissante, vous faites le match contre l'Uruguay dans le scénario et vous pouvez farmer l'aspect A. Il va falloir 100 Victorino pour avoir A80. Voilà, de toute façon c'est toujours comme ça, 100. Il faut 100 unités pour finir l'unité au maximum. Donc pour revenir à l'event à points, il va falloir, pour avoir des boosts, il vous faut une équipe full Dreamfest ou World Youth. World Youth, je crois, ça donne que 5%. Donc vraiment, il va falloir vraiment, si vous avez une équipe full Dreamfest, il va falloir mettre cette équipe là. Ça vous donnera 330% de torsion, ça va aller très 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 vite. Moi je farme tranquillement depuis tout à l'heure, je suis déjà à 60 000 et j'ai pas toute mon équipe full Dreamfest. D'ailleurs je vous la montrer vite fait pour l'event. Alors, donc là normalement c'est la red qui va sortir, c'est la rouge, s'il veut bien. Hop, voilà mon équipe pour l'event. Bon, je l'appelais réserve, c'est event, enfin c'est réserve, c'est même pour le road. Voilà, c'est l'équipe dégueu, enfin brouillon quoi. Je m'en fous. Donc je suis à 719 249 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 Dreamfest. Voilà. Si je compte bien, si je suis pas un mongol. Non, 7 Dreamfest. Donc je suis bien mongol. Donc 7 Dreamfest. Donc je monte jusqu'à 215% d'obtention de boost. Donc je peux vous rassurer, ça va vite. Après, comme dirait mon ami Atsushi, gros dédicace à Atsushi. Si vous venez de commencer dans le jeu, ça va être compliqué parce que vous faites une équipe full Dreamfest, compliqué. C'est vrai que pour ceux qui en arrivent dans le jeu, c'est très compliqué. Pour les anciens, ça peut passer, mais voilà. Le seul gardien, on va dire World Youth que j'ai, c'est le Salinas gratuit qu'il nous avait donné le mois dernier. Voilà. Sinon, j'ai aussi le Santana Dreamfest, mais malheureusement, il n'y a pas de formation qui joue avec 4 attaquants. Sinon, c'est dommage que, je sais pas, putain, bon, tu me diras, Schneider, c'est qu'un attaquant, Napoléon aussi, et Yuga aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour, donc bien évidemment, il y aura une vidéo invocation sur le Espadas. Il me faut un nouveau gardien rouge, malgré que le Hernandez, Saint-Valentin, est pas mal du tout, très très fort. Par contre, il faut le limit break, faut monter ses spés très très fort pour qu'il soit viable. Donc voilà les amis, je vous laisse là dessus portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se donne rendez-vous Inch'Allah le mardi matin pour Espadas. On met all-in dessus, j'ai 602 Dream Ball, on y va, ça fait 12 multi, on lâche les chevaux, je vous kiffe, à la prochaine, ciao.